Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Dragon Quest Heroes sur PC. La dernière fois, on s'est arrêté juste ici. Après avoir un peu avancé dans la quête. J'ai un peu XP comme vous pouvez le voir au niveau de mon expérience. J'ai fait quelques petites quêtes, etc. Pour pouvoir continuer, j'ai bien pex aussi. En farmant comme un porc. Alors, par où on va aller déjà? Alors, téléportation. Et Ingenia. Là j'ai changé d'écran donc j'espère que ce sera mieux au niveau de la qualité, pas la qualité mais de l'encodage on va dire. Ah oui c'était pour l'arène, je me rappelle plus exactement. Ok. Alors, la map. Oh, une grande map. De nouveaux monstres monstres. Heureusement que je suis assez haut niveau pour pouvoir me défendre. Allez. J'espère que le son est bon, je le vois pas trop. Pas trop ça, comme j'ai changé d'interface, on va dire, d'organisation à ce niveau-là. Hop. J'ai envie d'essayer ce personnage. J'ai pas regardé les caractéristiques, j'aurais dû regarder. Qui a le plus d'attaques dans l'équipe? Ah, c'est Lazare, pute. Bon, on verra bien. On peut voler, nice! Attendez. Ah non, c'est dehors, je crois que c'était mon PC qui faisait un drôle de bruit. Ah, saloperie de travaux. Il m'a l'air fort, c'est assez fort Olivier, on va le garder pour maintenant. C'est vrai que je pouvais charger de coups apparemment. Ah oui, rare. Oh merci, j'en ai pas besoin. Stylé. Il est très puissant. Hein. J'aime bien. Ouais, rien. Lui là. On va régénérer, ok. D'accord. Nulle part.
Hors de la zone, ce super casse dentier est trop bien. Ah, d'accord, c'est comme ça qu'il dit voler. Ouais. On doit trouver la clé. La clé, la voilà. Tout à fait, Teresa. Clé du jardin, c'est là. Ouais. Non, c'était ça aussi. Ces médailles. Tiens, tiens, des nouveaux mecs digluants. Ah, des. Ouais, des digluants, ouais. Je vais pas utiliser ça tout de suite, ça. Oh, toi, je t'avais pas vu, tiens. Visqueuse. Bon, on s'en fout de ça. La vigie méduse place où à chaque fois, je comprends pas. Je ne comprends pas. Thank you.
Hop. Un tambourin. Tambour, attention. Je voulais pas faire ça. J'appuie sur B. Je suis bon gars. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pas mal, pas mal. Ah, le doute, ça. Ah là 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 là. Ok, on est à 12 minutes déjà pour la mission, c'est des longues missions quand même, hein. Plus long que dans le premier, j'ai l'impression. Je m'en rappelle plus exactement comment c'était, mais... Ah bah merde. D'accord. J'ai compris. Là ça se ferme et là ça s'ouvre. On va appuyer deux fois. On va perdre 3 minutes sur ce truc. Encore une fois. Alors avant d'appuyer, on va les prendre, je crois pas là-bas déjà. Non, je suis obligé, c'est pas grave. Bon, fini d'ouvrir ses coffres. Là, on appuie sur ce bouton. Non, pour ouvrir la bonne porte, ça va être chiant. Pour ouvrir cette porte. Appuyer deux fois sur le bouton bleu. Une.
2. Bon, on va passer là, on peut passer, d'accord. J'aurais fait ça plus tôt si j'avais su. Ouais, faut que je appuie sur le premier bouton, le bouton rouge. Oh non, j'ai appuyé dessus. Je suis à mon gars. Voilà, là c'est bon. Ouf. Eh ben, qu'on aura galéré, hein. Ouais, ouais, là-bas c'est la suite, je sais, mais je regarde s'il n'y a pas de coffre. Allez, on va dans la salle du trône. Ah, ça c'est autre chose encore. Approche. Ah, je peux pas passer ça. Allez, hop. Ça, c'est fait. Ok, on a eu 2 level up, une mini médaille. On continue, pourquoi on s'arrêterait là?
tiens, des alphas. On va reprendre Lazare. Allez, hop, un peu de difficulté. Oh merde, il a... Putain. C'est une giga tornade. Enfin, une méga tornade, plutôt. Bon, les combats de boss comme ça, elle est puissante, Mina. Hein. Je pense que je vais l'utiliser comme ça à chaque fois. Oh là là. Allez, chiant de Maya. Protège-toi. Ah, de danser. Mettre par là. Thanks.
Hop là. ゼビオンの戦士、オルネーゼ。主名を受け、この者たちと共に、クレティアへやってまいりました。その顔、確かにゼビオンで見かけたことがある。お前がゼビオン王の犬、オルネーゼか。クレティア女王、我々がここへ来たのは、クレティアを陥れるためでも、女王の首を狙うためでもありません。ジャイワール王を殺害し、 オレンカとジャイワールが争うよう画策した人物を明らかにするためです。ジャイワール王がこうされた。なるほどな。それでお前たちがここへ来たということは、わらわが疑われているということか。ふん。我らを捕らえたことがあなたが犯人であるという何よりの証拠だろう。 白々しいのはその顔だけにしてほしいものだな。そうそう、もし犯人じゃないって言うならなんで俺たちを捕らえたんだって話だよ。大体ここに来るまでの間だって。ちょっと二人とも黙ってて、まずは女王様の話を聞きましょうよ。わらわがお前たちを捕らえたのはそのような理由からではない。実はな、ジャイワールがオレンカに攻め込むこと、わらわは知っていたのだ。 ことが起きる数日前に。未来に起こることが分かっていたということですか？モンスタレア地方から来たある者が、わらわのもとを訪れ、予言したのだ。数日の後、ジャイワールがオレンカと戦いを始めるだろうと。そして、後に和解するだろうともな。もちろんそのような妄言、 わらわと手最初から信じてはいなかった。だが放った密偵からの報告は全てその者の予言通りだったのだ。そしてその者の残した予言がもう一つある。和解した両国が手を組み、このクレティアを滅ぼすだろうというものだ。なんだそれ。そこへジャイワールの王子であるツェザールと私たちがクレティアへやってきた。 だから警戒していた女王様は私たちを捕らえたのですね。しかしお前たちの話を信じるとすれば、わらわはかの者の悪意に踊らされていたということになる。けど予言を残したという人物は一体どうやってオレンカとジャイワールに起こったことを言い当てられたのかしら。<笑> その前に女王の話が真実だという保証はあるのか？悪いが、俺は鵜呑みにはできんぞ。それももっともな話だ。ならば、これからすぐにゼビオンへ向かい、名手様に事の次第を説明するとしよう。お前たちの言うことも、わらわの言うことも、共に真実だとすれば、世界は今 危険な状態に陥っているということだ。各国の王と連携し、対策を練らねばなるまい。 Ah, c'est des calages de son!
Moi, je pense que c'est la personne qui a dit la deuxième prophétie sur Engenia qui est à l'origine de la première, enfin de l'assassinat du roi de Dulis. Ouais, stylé quand même là, ouais. Mais Engenia, je crois que c'était la cité volante dans le 1. Je sais plus, je confonds peut-être. Mais je sais c'est qui, on avait fait un. Rien de nouveau, je crois. Une nouvelle quête. On va prendre toutes les quêtes déjà. Oh, ce magasin l'a ouvert. C'est le troc, je crois. De nouvelles armes. Ah, c'est l'éventail. Pas de quête en cours, normal. Alors, il y a quelque chose maintenant. Le sort super poudre. Il parle comme s'il y avait de l'écho. Bon, on va là-dedans, on doit sûrement avoir débloqué le champ des mini-médailles. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui? Ah, c'est de l'or. C'était mieux dans le 1. Mm-hmm.
D'accord. Oh. Not bad. Ok. Ok, très bien. Oh, une quête. Chrono cristal. Qu'est-ce que c'est que ça, ça? Chrono cristal, attends. Ah, c'est ça. D'accord. Pourquoi pas? Allons là-bas. Pas de quête ici. Non, pas bien. Allons voir ce que nous dit le roi. Le grand roi. Où est-ce qu'on doit se rendre pour la prochaine? その予言者を探し出すのじゃ。失礼いたします。どうした？何か起きたのか？たった今知らせが入りました。ダラルの軍が隣接するモーリアス、フェルノーク両国を急襲、何一夜にして制圧したとのことです。 どういうことだ? 一体この世界で何が起こってるっていうの? OK.
pierre de peps. Très bien. C'est l'augmentation du tensiomètre. Ah oui, on était à 5, c'était ça le 5, j'avais zappé. Donc ça va faire 5, 10, 20, 50, 100. Donc on a un petit peu avancé. Ok, très bien. On va faire juste un petit tour pour voir si y a une nouvelle quête à débloquer ou pas. Comme d'habitude, il faut remonter. Des nouvelles orbes, hop, très bien. Très bien, et donc nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime sur vous abonner à la chaîne. C'était le prochain Tibonage. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.